Je vais vous parler d'un travail qui a commencé à la fin des années 90, à partir de l'instant où effectivement on a commencé à s'apercevoir que quelque chose d'inédit était en train de se produire. Donc la première chose, là, je vais vous parler un petit peu de la manière dont les choses se sont goupillées peu à peu pour moi. Donc la première question, ben, c'est effectivement la question de la découpe. Ben oui, Miora Mugurschächter, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, à qui je ne comprends pas grand-chose, sauf que effectivement, dès l'instant où il s'agit de découper quelque chose, enfin, comment dire, de faire quelque chose d'un bruit de plus en plus insistant, il va falloir opérer une découpe pour en faire quelque chose. Donc, Francisco Varela, je suppose, vous avez entendu parler aussi, c'est quelqu'un qui m'était cher, qui a été mon président de thèse. Et puis Jean-Louis Lemoigne, ben, tout le monde le connaît aussi, c'est le président de MCX dont je fais partie. Alors, on vit dans le bruit, hein, et de ce bruit, on fait quelque chose ou pas? Et pour faire quelque chose d'un bruit, il faut qu'il devienne de plus en plus insistant, c'est-à-dire qu'il soit de plus en plus gênant pour la personne qu'il est en train d'atteindre. Hein. Il faut qu'effectivement, ces nuages de bruit, ils deviennent une anomalie. Là-dessus, le texte, le vieux petit bouquin de Koehn n'a pas vieilli, hein. Il date des années 50. Et c'est quelque chose qu'on peut lire aujourd'hui, on aurait pu le croire écrit il y a 5 ans, quoi. Donc, un bruit suffisamment consistant pour devenir une anomalie, c'est-à-dire quelque chose qu'on puisse commencer à attraper, ou qui nous attrape, si je puis dire, hein. Et à partir de là, bon, faut bien faire une découpe. Il y a quelque chose qui est évidemment arbitraire, hein, dans toute découpe. On voit peu à peu si cet arbitraire est quelque chose de suffisamment consistant et constructible, ou si on déconne, tout simplement. Hein. Bon, il semble qu'on n'ait pas trop déconné. Donc, la question pour nous, c'était, quand je dis nous, on est un petit réseau quand même, hein, je ne délire pas tout seul. Il s'agissait pour nous de comprendre ce qui était en train de s'opérer sous nos yeux, de manière insistante, hein, c'est-à-dire une nouvelle forme d'humanité à travers les enfants. Moi, c'est dans mon boulot de thérapeute de famille que les choses ont commencé à devenir insistantes. Pas tant dans mon boulot d'enseignant-chercheur, hein. Ça a toujours été un peu connecté, bien sûr, mais c'est surtout dans mon boulot de praticien que les choses sont devenues de plus en plus insistantes. J'avais affaire à des problèmes pour lesquels nos outils, nos modèles se montraient de plus en plus inadéquates. Plus en plus inadéquates. Bon. Allez, allez-y. À partir de là, dès l'instant où on peut opérer un début de généralisation, de se dire, bah oui, on dirait bien qu'ils sont tous comme ça, les mômes en question. Hein? À partir de l'instant où, dans mon travail de formateur, de conférencier, j'ai rencontré de plus en plus de jeunes parents, de plus en plus d'enseignants, de plus en plus d'éducateurs, pour lesquels le problème était le même, à savoir qu'ils avaient en face d'eux, ils le disaient clairement, des enfants et des adolescents auxquels ils ne comprenaient plus rien. Alors évidemment, quand on ne comprend plus rien, la tendance, c'est de se dire qu'on est face à quelque chose de déviant, puisque c'est notre modèle qui est la vérité, évidemment, hein. Donc, dans un premier. Et malheureusement, je crois que l'école primaire et secondaire, à l'heure actuelle, continue à vivre cette nouvelle normalité comme déviante. Et c'est un vrai problème, parce qu'ils sont en train de saccager quelques générations de nos enfants, c'est-à-dire de notre futur. Donc, des modèles, ben oui, il faut bien s'accrocher à des modèles pour ne pas délirer.
Hein, on ne pense que sur des modèles, bon, ça, on est tous d'accord là-dessus. Et là, ben, on est allé chercher, ça n'a pas été difficile, parce que c'est des choses, c'est des gens qu'on utilisait déjà, qu'on utilise déjà en modélisation systémique. Hein, les gens comme Tom, Prigogine, De Gennes, évidemment Bateson, c'est des gens que j'utilisais déjà. Par exemple, De Gennes, il y a quelques années, je me suis risqué à modéliser le fonctionnement du cerveau à partir de son modèle. Hein, transition de connectivité, percolation, c'est quelque chose qui colle bien pour essayer de comprendre comment ça marche un cerveau. Et là, pour ce qui nous concernait, ce problème-là, c'était se donner un modèle de la manière dont un grand système peut bifurquer. Parce que c'est ça qu'on se dit, mais là, s'ils sont tous comme ça, on est devant un phénomène sociétal. On n'est pas devant un phénomène marginal. Qu'est-ce qui fait qu'un phénomène sociétal massif puisse s'opérer ? Ben, c'est forcément quelque chose qu'on va modéliser comme une bifurcation. Donc voilà, je vais pas vous parler hein, de ça simplement. Bon, c'est des gens que vous connaissez, j'imagine. Hein. Il faut aussi chercher des redondances. Si on se dit qu'on est face à un phénomène, un phénomène qui aurait lieu pour la première fois, bon. Ça doit exister, bien sûr. Hein. Mais en matière de fonctionnement sociétaux, ça nous paraissait peu probable, donc on a commencé à chercher des redondances pour voir si ce phénomène qu'on était en train d'observer avait déjà existé par le passé. Et en fait, ça a été assez facile, je dois dire. Ça a été assez facile. Et là, donc, le concept de mutation sociétale prenait de la consistance pour nous. Donc là, et puis pour le terme homme nouveau, je ne sais plus pourquoi j'avais mis mon nez dans. Je ne me rappelle plus si c'est dans les confessions ou dans la maison de Dieu contre les païens, c'est-à-dire ce que Augustin a écrit. J'ai été élevé chez les bons pères, hein, donc j'ai cette tare-là. Et je trouve. Le concept d'homme nouveau chez lui. Ben, grand discours sur l'homme nouveau, c'est l'homme chrétien, dans ses différences avec l'homme romain. Bon, le païen, donc. Hein. Et puis, donc je me suis mis à chercher des autodéfinitions. Et je me suis aperçu qu'à chaque mutation, les mutants, si j'ose dire, s'autodéfinissaient dans leurs différences avec l'humain précédent, si j'ose dire. Hein. Donc c'est vrai qu'à la Renaissance facile, ben, l'honnête homme apparaît, s'autodéfinit clairement. Il y a des tas de bouquins encore accessibles hein, sur la définition de ce qu'est un honnête homme. C'est assez rigolo d'ailleurs, hein, il se définit par rapport à l'homme médiéval qui était un gros cochon qui rôtait, pétait à table, et l'honnête homme, non. Ouais. C'est comme ça. Et puis au XVIIIe siècle, ben, l'homme des Lumières, bon. Et puis, en cherchant mieux, il y a aussi la première Renaissance du Xe siècle, qui est un phénomène absolument passionnant, qui a tourné court tout simplement parce que le monde chrétien est parti au massacre très rapidement avec les croisades et a bouté les Arabes du sud de l'Espagne de l'autre côté de la mer. Donc à chaque fois, on voit l'émergence d'un homme nouveau, et ce qui correspond clairement à des valeurs nouvelles. On va voir ensemble c'est quoi une valeur, comment peut-on définir ce qu'est une valeur. Parce qu'il y a une grosse confusion d'ordre général. Hein, on confond beaucoup valeurs et idéaux. On va voir que ça n'a rien à voir. Hein. Parce que les valeurs, c'est quelque chose qu'on met en pratique quotidiennement sans même s'en rendre compte, alors que les idéaux, on en parle beaucoup. Mais on les pratique fort peu, quoi. Donc, nous, on a baptisé l'homme nouveau, l'homme connectique. Bon, c'était pas difficile. Hein, dans la mesure où, effectivement, ce qui semble le caractériser, c'est la connexion.
Mais bon, nous, on est plutôt vieux, donc ils vont peut-être se baptiser autrement. Hein. Alors, en matière de redondance, on a vite mis en évidence que à chaque fois, à chaque mutation se conjugue ou émerge, coémerge, je dirais, avec des sciences nouvelles, des technologies nouvelles et donc des logiques nouvelles. Ça, c'est systématique aussi. Hein. C'est une belle redondance, on le trouve à chaque fois. Et à chaque fois, il semble que ce soit de ces sciences et technologies nouvelles qu'émerge une forme d'intelligence et de sensibilité spécifique à cet univers-là. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est que la forme d'intelligence et de sensibilité, c'est l'élément qui reste de très loin le plus stable durant tous les siècles qui séparent de mutations. Hein, c'est-à-dire que la forme d'intelligence et de sensibilité émergeant au XVIIIe siècle, je vais vous en proposer une modélisation, hein, elle est encore en cours. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire notre cerveau est encore façonné de cette manière-là, c'est-à-dire de cette forme d'intelligence et de sensibilité émergente au XVIIIe siècle habite toujours notre cerveau, si je puis dire. Et ce qui est un vrai problème, parce que ça s'appelle une habitude, et les habitudes, on va voir, c'est très difficile à changer, parce que ce n'est pas fait pour changer. Donc là, effectivement, on voit émerger une nouvelle forme d'intelligence et de sensibilité, des valeurs nouvelles, qui vont bien entendu, qui sont très, parfaitement cohérentes, parce que dans un fonctionnement sociétal, toutes les parties composantes sont extrêmement cohérentes et bien emboîtées. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile aussi à mettre en évidence. Hein. Et là, donc, on voit bien émerger cette nouvelle forme d'intelligence et de sensibilité, les valeurs nouvelles déjà incarnées par les enfants, c'est-à-dire que ce que nous dessinons là, c'est à travers nos interactions avec les gamins d'aujourd'hui, essentiellement. Et puis à travers, effectivement, les modèles auxquels on peut se coupler, quoi. Alors, là encore, bon, un regard. Alors, dans mon titre un peu ronflant, là, il y avait effectivement anthropo, historico, parce qu'effectivement, on est bien obligé de faire de l'histoire. Hein, si on veut travailler mutation, vous voyez, on est remonté jusqu'au 5e siècle, on peut remonter beaucoup plus loin. Hein. C'est évident, parce que des mutations, il y en a eu très régulièrement, et sur tous les continents. De l'histoire, donc, on est bien obligé de faire de l'histoire, on est bien obligé de faire de l'anthropologie, puisque on parle de quoi ? On parle des usages et des manières de fonctionner au sein d'une société. Et puis, ben évidemment, qu'on est obligé de faire l'épistémologie aussi. Bonsoir. Donc, il va falloir donc s'attacher à mettre en évidence des caractéristiques nouvelles, suffisamment, comment dire, générales. Hein, c'est-à-dire qu'on puisse trouver chez tous les enfants que nous, on a appelés mutants. Alors le terme, on me l'a beaucoup reproché. J'ai des bons amis qui travaillent aussi sur la question, bien sûr, qui me disent « tu n'aurais pas dû employer ce terme-là ». Je leur dis « c'est ma marque de fabrique, maintenant je ne peux plus y renoncer, ça c'est sûr ». Donc, produire de la différence. Hein, produire l'information, c'est une petite différence. Hein, et une petite différence, c'est du changement. Ben voilà, tiens, comment on se propose de modéliser notre forme d'intelligence. Notre forme d'intelligence, bon, oh pardon, elle est mécaniciste, on peut la qualifier de mécaniciste, je ne suis pas du tout le premier à en parler dans ces termes-là, loin de là, hein. Dans la mesure où la science reine qui a présidé à la construction de cette forme d'intelligence, c'est la physique mécanique du XVIIIe siècle, physique mécanique à laquelle on doit l'essentiel de la construction de notre univers. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est une forme d'intelligence que quand on la regarde sous cet angle, peut nous paraître un peu raide, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'elle s'est montrée d'une puissance extraordinaire en 3 siècles, transformation du monde. Hein.
C'est du côté de l'humain qu'elle n'est pas top. Hein, mais ce n'était pas son objet, l'humain, précisément. Hein. Donc, une science réaliste, en ce sens que, qu'à partir de l'instant où un modèle scientifique prétend pouvoir décrire le monde dans sa réalité, décrire les objets dans leur réalité. Là, ça a posé à terme un vrai problème dans la mesure où on se met vite à confondre réalité et vérité. Si je suis assez rigoureux dans mes observations, si je suis assez rigoureux dans mes analyses, je vais pouvoir prétendre que ma description de la réalité est vraie. Donc on se trouve devant une forme de science assez autoritaire. C'est autoritaire, c'est vrai. Hein. Une forme de rationalité dure, quoi. Hein. On pensait qu'il n'y avait pas d'autre forme de rationalité que celle-là, évidemment. Hein. Anti-émotionnel, bon, ça, effectivement, c'est la forme de sensibilité, ça. Hein. Et c'est vrai que c'est une forme de science qui fait taire, en ce sens que je suis suffisamment rationnel et objectif dans ce que je dis, il est clair que mon auditoire n'a qu'à se soumettre à ça. Et s'il veut débattre, ça va être une lutte à mort, puisqu'il faudra un seul aura raison. Un seul aura raison. Donc les piliers, bon, on les connaît bien, c'est les piliers de la logique cartésienne. Hein, on est dans la rue Descartes. Je l'aime pas, Descartes, je dois dire. Bon. Enfin, je l'aime plus depuis longtemps. Bon, les quatre piliers, là, puissants, hein, puissants, la causalité linéaire et le réductionnisme, l'exhaustivité et l'évidence, hein, c'est la base de notre logique. La base de notre logique. Une logique puissante, consistante, inhumaine, à vrai dire. C'est ça le problème pour nous, quoi. Et puis, cette forme d'intelligence, elle est douée d'une compétence absolument extraordinaire, c'est voir ce qui ne marche pas. C'est extraordinaire, hein, je veux dire, c'est une véritable compétence. C'est-à-dire que notre regard, là où il se porte, où qu'il se porte, voit instantanément ce qui ne fonctionne pas. Pour le réparer, évidemment. Hein. Sachant que ce qui fonctionne est de peu d'intérêt, puisque ça fonctionne. C'est le regard du mécanicien. Le mécanicien, l'ingénieur mécanicien, pourquoi s'intéresserait-il à ce qui marche, quoi ? Alors que ce qui ne marche pas est quelque chose de tout à fait passionnant. Alors ça, je suis très content quand mon mécanicien voit ce qui ne marche pas dans ma voiture, évidemment. Mais ça pose un problème quand un psy, quand un éducateur, quand un enseignant base toute sa façon de regarder l'autre sous la forme de ce qui ne marche pas. Et là, ça ne va plus, quoi. Elle est objectivante. Hein, l'objectivité, ça c'est une des choses qui font que j'aime plus Descartes. Hein, c'est que l'objectivité est quelque chose qui fait disparaître le corps. Vous vous rappelez, Descartes, il disait des trucs invraisemblables, du genre faire taire tout de mes sens et de mon corps pour enfin penser. Il pensait avec quoi, le gros ? Ouais, franchement. Immobilisante, c'est une forme, effectivement, une forme d'intelligence qui voit des états, c'est-à-dire des choses immobiles, qui sait les décrire, bien sûr. Hein. Ce qui nous pose un certain nombre de problèmes, en ce sens que la vie est faite de processus. Enfin, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui avec la nouvelle forme d'intelligence qui se pointe, bien sûr. Hein. Et décrire des états, c'est impossible de décrire du vivant quand on n'a que la forme état sous la main. Et pas seulement le vivant. Enfin, le vivant est tout ce que le vivant met en œuvre. Hein. Analysante, bah oui, il s'agit de séparer, de découper. Là, c'est le réductionnisme à l'œuvre. Hein. On parle depuis longtemps de réductionnisme méthodologique pour ne pas en faire le seul critère de fonctionnement, mais ça reste, notre capacité à analyser, à découper, reste extrêmement puissante au détriment d'autres choses.
Déresponsabilisante, bah oui, parce que quand je suis, si je suis objectif, je ne peux pas parler de ce que de ce que j'ai fait moi. Parce que c'est subjectif. Et d'ailleurs, si vous avez en face de vous un orateur qui, en prenant la pause, vous dit en toute objectivité, et que vous entendez des petites choses un peu subjectives, vous dites, eh oh, subjectivité. Et là, on voit à quel point. Hein, le statut de l'objectivité, le statut de la subjectivité dans notre monde, la subjectivité est par définition fautive en matière d'intelligence dans notre monde. Alors que l'objectivité, ça, c'est quelque chose. Et compétitive, évidemment. Là, j'ai pas résisté au plaisir de faire parler notre vieil ami Heinz von Förster. Von Förster, c'est un ingénieur, von Förster. C'est un ami des thérapeutes systémiciens. C'est un homme qui était présent, qui a été tout jeune secrétaire des conférences Messie. Les conférences Messie, 1943-1946, c'est la naissance de la cybernétique, avec Norbert Wiener, avec la bande à Wiener, hein. Et puis la naissance de la systémique, parce qu'il y avait bien sûr des neurologues, il y avait Gregory Bateson, il y avait des gens comme ça. Les conférences Messie, ça a été un moment extraordinaire. Il y a des comme ça, des réunions. Je veux dire, aux conférences Messie, il y a des tas de jeunes mecs qui ont été ensuite des prix Nobel, des gens qui ont marqué la science dans les 50 années suivantes, quoi, hein. Coup de bol, ou je ne sais pas, bon, choix particulièrement pertinent, quoi, hein. C'est comme ensuite, dans les années 60-70, le SIDOC à Cuernavaca d'Ivan Illich, qui a réuni un paquet de têtes en pointe, pareil, hein, où était von Förster à nouveau, hein, où ils ont modélisé des choses tout à fait passionnantes, comme les processus de contre-productivité par encombrement, enfin des choses qui sont encore tout à fait intéressantes aujourd'hui, quoi, hein, entre autres, hein. Oui, voilà ce qu'il dit von Förster. Hein. Là, il vous assassine l'objectivité dans les grandes largeurs, quoi. Hein, l'objectivité exige que les propriétés de l'observateur n'entrent en aucun cas en ligne de compte dans la description de ses observations. Par cette suppression de ce qui fait l'essence de l'observation, c'est-à-dire les processus cognitifs, on réduit l'observateur à n'être qu'une machine à copier. Et on a évacué, bien sûr, la notion de responsabilité. Je ne suis pas responsable de ce que je dis, puisque je ne peux faire référence qu'à des savoirs établis. Supposé valide. C'est pas moi qui parle, c'est le savoir qui parle à travers moi, quoi. La forme d'intelligence qui est en train d'émerger, qui va bien entendu, qui est qui est ce qui ruisselle des nouvelles sciences reines. Les nouvelles sciences reines, c'est les sciences de la complexité. En France, officiellement 2002. Discours inaugural du CNRS 2002, sciences de la complexité. Hein, très beau discours, hein, officiel. À partir de 2002, on a reçu des appels d'offres autour de complexité, hein, y compris dans les sciences humaines, hein, j'en ai reçu. Donc cette forme d'intelligence, qui est totalement le reflet des sciences de la complexité, évidemment, de même façon que celle-ci était totalement le reflet des sciences mécaniques. Elle modélise. Elle modélise. Donc là, on a plus ce problème de confusion entre réalité et vérité. Dans la mesure où on dit la réalité, on n'y a même pas accès. Donc on est tranquille. Hein, donc ce qu'on dit, personne ne peut décrire un objet dans sa réalité, on ne peut faire que construire des modèles. Hein. On construit des modèles des objets. Hein. Quel que soit l'objet que je vais étudier, je ne peux qu'en construire un modèle. Selon mon domaine, ce modèle, si je suis physicien, je peux parfaitement construire un modèle physique de cette boîte. Si je suis chimiste, je peux parfaitement construire un modèle chimique de cette boîte. Si je suis un bricoleur, je vais construire un modèle bricolé de cette boîte, etc., etc., quoi. Donc la rationalité en question devient une rationalité souple, beaucoup moins autoritaire, beaucoup moins conflictuelle,
dans la mesure où quand on modélise, et c'est des choses qu'on voit déjà de manière tout à fait passionnante, hein, si vous avez quelques chercheurs qui sont dans le registre modélisation, qui travaillent sur le même objet hyper complexe, sans se connaître, quand ils se retrouvent, ils ne vont pas se battre pour savoir qui a raison. Ils vont se dire, ouais, intéressant ton modèle. Voyons voir si on peut les combiner pour... est-ce qu'il va en émerger un modèle de complexité supérieure ? Donc là, ça fait parler au lieu de faire taire. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, ça. Hein. Et les piliers, dans mes travaux, j'appelle ça la victoire du biologique sur le mécanique. Hein, c'est-à-dire que là, on parle plus de causalité. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. J'ai effectivement un regard un peu critique sur la forme d'intelligence du XVIIIe et XXe siècle. Je ne la méprise pas pour autant. Elle a encore ses espaces de fonctionnement parfaitement indispensables. Hein. Mais elle n'occupe plus la totalité du terrain. Donc les piliers causalité circulaire, ben oui, il se trouve qu'en biologie... il n'existe, semble-t-il, aucun processus qu'on puisse qualifier de linéaire. Il n'y a que des phénomènes circulaires. Et en plus, des formes d'interaction, c'est tout à fait passionnant, qui sont toutes négatives. Hein, je veux dire, chaque fois qu'il y a un feedback positif dans un organisme, il est malade, il tombe malade. Chaque fois que, dans une famille, ou dans un couple, tiens, c'est plus facile... chaque fois que dans un couple, l'un et l'autre sont incapables d'émettre des feedbacks négatifs, ils passent leur temps à s'engueuler. Parce que l'un émet un feedback positif. Il propose une escalade symétrique. Si l'autre part dans l'escalade symétrique, donc feedback positif, ils ne font que s'encourager dans le feedback positif et on assiste à une chaotisation du lien. Donc, dans un organisme vivant, dans le cerveau comme d'ailleurs dans le reste d'un corps hein, vivant, on ne peut observer que des causalités circulaires et particulièrement des mouvements freinateurs. Donc, les piliers causalité circulaire, intégrationnisme, là, effectivement, on est plus dans chacun sa chapelle, chacun son précaré, hein, et on est plus dans l'objectivité, on est plutôt dans une intersubjectivité qu'on essaye d'outiller. Hein. Une intersubjectivité momentanément partagée par un corps scientifique. Hein. Voilà, grosso modo. Quoi. Alors, positivante plutôt que criticiste, c'est pas qu'il soit plus sympa que nous, c'est simplement que quand vous modélisez, vous le savez bien, hein, quand on modélise, c'est ce qui marche qui est intéressant. Si vous voulez construire un modèle exportable, éventuellement exportable, sur d'autres structures, il faut que ça marche. Donc, effectivement, quand on modélise, on est plutôt... on construit plutôt une forme d'intelligence qui va être tournée vers ce qui fonctionne. Subjectivante, ben oui, l'individu est responsable de ce qu'il dit, et l'individu, la subjectivité reprend ses droits, de même que l'émotivité, une émotivité suffisante, ça c'est la victoire des neurosciences émotionnelles, hein, qui depuis une bonne vingtaine d'années nous ont montré que y a un joli petit bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes, hein, c'est Damasio qui a écrit ça il y a une vingtaine d'années, mais en évidence que là-dessus, bon, quand vous êtes sous une IRM fonctionnelle ou autre machine de ce genre, que vous êtes en train de résoudre un problème parfaitement objectif, on va dire mathématique, ben, on voit bien que vos réseaux émotionnels fonctionnent en même temps. Hein, qu'il n'y a pas de pensée qui soit neurologiquement extérieure au système émotionnel. Donc là-dessus, effectivement... ce que nous montrent les neurosciences émotionnelles nous permettent de redéfinir ce que c'est une intelligence en marche et puis de dire que Descartes, ben, il est à côté de la plaque de ce point de vue-là. Quoi.
Subjectivement, ben oui, ça on l'a dit, effectivement, l'individu devient responsable de ce qu'il dit, puisque l'objectivité n'est plus ce qui prime. Dynamisante en ceci, comme je parlais d'état, hein, notre forme d'intelligence décrit des états. Et là, on se trouve devant la description de processus. C'est-à-dire que causalité circulaire, effectivement, il est clair qu'on est devant des processus. C'est quelque chose qui ne s'interrompt jamais, quoi. Quand on modélise, ben on monte en marche, hein, on découpe fatalement dans un processus, quoi. Il faut bien trouver un début à une recherche. Et pour ça, inévitablement, on va découper dans un processus. Reliante, ben, là, effectivement, on n'est plus dans l'analytique, on est beaucoup plus dans... Ce qui ne veut pas dire que l'analytique ne nous sert pas de temps en temps, évidemment, hein, mais là, on est plus dans relier, globaliser, combiner. Et puis, il y a une forme de pragmatisme qui prend beaucoup la place. C'est vraiment la fin des maîtres à penser. Hein. Je vois mes étudiants, c'était déjà ça, hein, je peux vous dire. Hein. Les maîtres à penser, ça les faisait rigoler, quoi. Et c'est assez amusant parce que j'ai essayé de les faire travailler sur le registre de l'analogique, le non-verbal, parce que pour des psys, ça peut être intéressant quand même. Sachant que dans notre communication quotidienne, c'est 75 à 80% de la communication quotidienne, c'est du non-verbal. Et on va voir que ce qui transmet les valeurs, c'est essentiellement du non-verbal. Donc ils m'ont eu un jour. Je parlais d'un de mes maîtres à penser, et parlant d'un de mes maîtres à penser, je me suis trouvé à montrer une posture soumise. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur, là ? Vous avez vu, là, ce qui vous arrive, là ?» Et je m'en aperçois, je dis ouais, « bon, effectivement, oui, c'est vrai que pour moi, c'est un maître à penser, donc forcément, j'en parle dans une posture soumise. » Et ils ont été sympas, ils m'ont dit « Non, même si on va le lire quand même, hein, mais c'est qu'un gars. » Voilà où ils en sont, nos petits mutants, à l'heure actuelle, hein, par rapport au maître à penser. Alors, le temps court, bon, je ne vous fais pas de dessin là-dessus. Hein. Et la négociation. Mais... voilà un tout petit morceau du projet d'établissement 2002 du CNRS. Hein, le grand démarrage, hein, s'attacher à la complexité. Bam, ça démarre. Et la petite phrase, je ne sais pas qui l'a écrite, mais elle résume de manière tout à fait admirable, si je puis dire, la question. Hein. Reconnaître que la modélisation se construit comme un point de vue pris sur le réel. Comme je vous disais tout à l'heure, il est hors de question de penser aujourd'hui, de prétendre aujourd'hui qu'on peut décrire le réel. On ne peut avoir qu'un point de vue sur le réel, à partir duquel un travail de mise en ordre partiel et continuellement remaniable, processus, peut être mis en œuvre. Hein, donc, mais là, ça fait 30 pages, hein, mais là ces quelques lignes étaient vraiment tout à fait passionnantes. Avec ceci que, là encore, nouvelle forme d'intelligence, donc nouvelle forme de perception. Hein, parce qu'une mutation, ça vous change la perception aussi. On croit comme ça que la perception, c'est quelque chose d'immuable, qu'on voit tout ce qu'il y a autour de nous, quelle que soit l'époque, etc. Mais pas du tout. Pas du tout. Hein, c'est Varela qui disait « on ne voit que ce qu'on voit », ça a l'air idiot, mais c'est extrêmement pertinent. On ne voit que ce que notre façonnement sociétal nous permet de voir. Nous oblige à voir même. Et là, on se trouve devant, avec la circularité qui devient maîtresse du jeu, et avec cette sortie du linéaire, si j'ose dire, hein, là, les chercheurs commencent à dire, voilà, ben, je suis un élément composant de mes observations. Ça, rappelez-vous, vous savez que ça fait 60 ans que les physiciens quantiques étaient obligés de se raconter cette histoire-là. Hein. Mais les autres, non. C'était juste un problème de physicien, de physique quantique, quoi. D'ailleurs, j'ai lu dans la recherche, il me semble, il n'y a pas longtemps, un article... qui essayait de dire que ce problème de physique quantique était un problème latéral et qu'on pouvait montrer qu'on pouvait se débrouiller autrement.
Mais bon, j'y connais vraiment. Mes connaissances sont très insuffisantes pour avoir une opinion sur la question. Hein. Mais là, ça nous intéresse parce que ça a trait à la nouvelle forme d'intelligence et de sensibilité. Ce n'est pas seulement l'affaire du scientifique, là, c'est l'affaire de tous. Puisque ça met en place un nouveau mode d'interaction et de nouvelles valeurs. Là, ça démarre du chercheur, bien sûr. Hein. Il se voit comme un élément composant de ses observations. Hein. Je passe à ça. Donc, le regard d'hier, hein, le regard mécaniciste, nous donnait cette certitude d'observer de l'extérieur. Hein, c'est-à-dire, quand j'observe cette boîte, je ne suis pas dans cette boîte. J'observe cette boîte d'une manière neutre à extérieur. Et si je suis en plus quelqu'un de suffisamment outillé, ben, je le fais en toute objectivité, ça va de soi. Du point de vue humain, le criticisme était évidemment à l'œuvre, donc avec cette forme de regard extérieur, quand je vois un dysfonctionnement chez l'autre, ce dysfonctionnement doit être réparé, je n'y suis par définition pour rien. Toujours le regard du mécanicien, qui du point de vue de l'humain pose un problème, parce que les problèmes ne sont jamais mes problèmes, c'est toujours les problèmes des autres. Et le regard d'aujourd'hui, fondé sur l'interaction, donne la certitude de ne pouvoir observer que nos interactions. Ce que je peux dire de cette boîte, c'est le résultat de mes interactions avec cette boîte. C'est assez inattaquable, hein, d'ailleurs, comme point de vue. Hein. C'est un modèle fort, quoi, on va dire. Hein. Et quand je décris l'autre, ce que je constate chez l'autre, si c'est un autre auquel je suis suffisamment couplé, comme nous le sommes ce soir, hein, on a un couplage de 2-3 heures, là, hein, et ce que je peux observer chez vous, ben, c'est le résultat de mes interactions avec vous. C'est d'ailleurs très divers. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Et là, c'est quelque chose qui rend beaucoup plus, comment dire, qui offre des capacités d'intervention, des capacités d'action décuplées. Parce que si je veux que quelque chose change, je ne vais pas demander à l'autre. Sachant que nous, on sait bien, en tant que thérapeute ou en tant qu'éducateur, etc., etc., ou même en tant que parent, que vouloir que l'autre change, ou dans un couple même, hein, vouloir que l'autre change, bon, d'accord, mais il y a peu de chances pour que ça arrive. Hein, quand des couples arrivent à ma consultation, ce qui est fréquent, monsieur disant « il faut qu'elle change, elle est insupportable », et madame disant « il faut qu'il change, il est insupportable », j'ai coutume de leur dire « merci, nous sommes partis pour 10 ans, c'est une rente que vous êtes en train de me promettre ». Ça les aide un peu à réfléchir d'emblée. Donc effectivement, à partir de l'instant où je me dis si je modifie quoi que ce soit dans mes interactions avec l'autre, il va être contraint de modifier ses interactions avec moi. Je ne sais pas comment, parce que le couplage n'est pas un couplage mécanique. Hein. Mais l'observation le montre à chaque fois, hein, si je change quoi que ce soit dans mes interactions avec l'autre, l'autre est obligé de changer quelque chose avec ses interactions avec moi. Donc dans vos couples, essayez, vous verrez, ça marche. Hein, et ça donne des indications, ça produit de l'information. Hein, ça nous permet de nous orienter. Et en matière de recherche scientifique, tout comme en matière d'éducation, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, cette forme d'intelligence. Extrêmement précieux. Parce que je suis beaucoup plus actif dans le processus. Je suis inévitablement et nécessairement actif dans le processus. Et bien sûr, je deviens responsable d'une partie de la situation. Donc là, ce que nous disent les,
Les systémiciens, ça c'est du Varela, entre autres, hein, pas de neutralité, pas d'objectivité, ça c'est von Förster, seulement une responsabilité personnelle. Et bien sûr une intersubjectivité. Mais c'est vrai que ça nous est difficile parce que notre cerveau, il est façonné, 18e, 20e siècle, il est façonné mécanique, linéaire, etc. Et il nous est pas facile de baser nos modes d'interaction sur « je ne peux observer que mes interactions avec quelqu'un » ou quelque chose d'ailleurs. Hein. Parce qu'on est toujours attiré par l'idée de cette objectivité. Hein. C'est-à-dire que si je veux décrire cette image-là, je vais essayer de m'attacher à la décrire pour faire croire que je peux être objectif dans ma description. Quoi. Alors que c'est évidemment impossible. Je ne peux que décrire mes interactions avec cette image à partir de mes modèles. Donc ça, c'est Edgar Morin. Ça fait quand même 50 ans qu'Edgar n'arrête pas de nous dire « relions, relions, s'il vous plaît, si on veut comprendre comment ça marche, un système complexe, quoi. » Et puis ça, je crois que c'est Jean-Louis Lemoyne qui nous avait trouvé ce truc-là. Alors ça date de 21, hein. Et c'est très intéressant, y compris en matière de forme d'intelligence. Hein, il dit, bon, l'activité humaine, elle consiste à conjoindre, à disjoindre. Mais il insiste sur le fait pour dire, il n'y a pas de rôle égal, hein, c'est l'acte de joindre, c'est la conjonction qui est première chez l'humain. Alors, c'est audacieux de dire ça comme ça, hein, parce que ce n'est pas évident. Mais il est clair que, là encore, les neurosciences valident cette posture, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on sait bien, ça fait partie de nos travaux, ça, c'est au centre de nos travaux, dans notre travail avec les gamins en grande difficulté, hein, les enfants qui sont accueillis dans les structures éducatives. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on décrit assez bien le fonctionnement du cerveau, on a un circuit long et un circuit court dans le cerveau. Circuit long, c'est le circuit qu'on est en train d'utiliser en ce moment. Le circuit court, c'est le circuit de survie. Et le circuit de survie disjoint, dissocie instantanément. Le circuit de survie, quand on est en circuit de survie, ça nous sauve la vie. Hein, le circuit de survie, il est déclenché par les noyaux amygdaliens, hein, qui sont deux petits noyaux qui sont juste sous les yeux, là, hein, qu'on peut appeler les noyaux de la peur, en fait. Hein, puisque chaque fois qu'on a peur, c'est le noyau s'allume, le circuit court se met en œuvre. Et il n'y a que trois postures possibles, hein, c'est contre-attaquer, fuir ou se soumettre. Là, on est dans le circuit de base. Hein. Contre-attaquer, ça peut être freiner en urgence, quand on est en voiture. Hein. Et effectivement, le circuit long dans le cerveau passe son temps à conjoindre. C'est-à-dire notre intelligence, ce qui fait qu'un individu peut produire de l'intelligence, c'est d'abord sa capacité à catégoriser. Hein, c'est-à-dire que dès l'âge de 3 mois, probablement avant, mais on ne peut l'observer qu'à partir de 3 mois, actuellement. Dès l'âge de 3 mois, un enfant, il se met à apprendre à quelle sorte de messages appartiennent les messages. C'est fondamental. C'est un processus de catégorisation. Tant que vous ne savez pas à quelle sorte de message appartiennent les messages, vous vivez dans un monde chaotique. Nous, on le sait bien parce que les gamins et gamines qu'on trouve dans les structures éducatives sont très souvent en circuit de survie. Ils n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre à quelle sorte de message appartiennent les messages. Et un message qui n'est pas catégorisable est un non-message. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment y réagir, vous ne pouvez pas le prévenir, vous ne pouvez pas en faire un objet de transaction, etc., etc., quoi. Donc c'est un fondamental, ça. Et pour savoir à quelle sorte de message appartiennent les messages, il faut être capable de conjoindre. Et quand on disjoint, ben on se trouve, effectivement, quand on est en circuit de survie, on est forcément dans une défiance maximale. Ben oui, c'est-à-dire qu'on est devant un signal de menace. Devant un signal de menace. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Niklas Luhmann, c'est quelqu'un qui mérite d'être lu. On ne peut plus l'inviter, il est mort, mais il aurait bien mérité de passer chez vous. Et c'est un type c'est un sociologue et un juriste qui a remodélisé la sociologie
à partir du modèle autopoïétique, du modèle Varela-Maturana. Il a un énorme bouquin qui s'appelle Systèmes sociaux. Il est traduit maintenant en français. Avant, on pouvait le trouver qu'en allemand et en anglais. On l'a en français maintenant. Et puis, il a écrit un joli petit bouquin avant, qui est traduit en français depuis 2006 d'ailleurs. Hein. La confiance, un mécanisme de réduction de la complexité sociale. Et ce qu'il dit, ben voilà, je l'ai cité là. Il dit, sans la confiance, nous n'aurions aucune raison de nous lever le matin. Et il ajoute, nous serions, se lever le matin sans la confiance serait courir le risque d'être soudain envahi par une angoisse insurmontable. Ce qu'on constate d'ailleurs chez les gamins en question d'ailleurs. Donc le circuit long produit de la confiance a priori, et c'est ce qui fait marcher le monde. Hein, se lever le matin en se disant que ça va marcher. Et quand on se lève le matin en faisant une longue liste, il n'y aura pas d'eau chaude, la voiture ne va pas démarrer, il n'y aura pas d'essence à la pompe, cette longue liste-là, il faut vite consulter, quoi, hein, si vous la faites. Et donc, dans nos formes d'éducation, de formation et de management, dans mon université, j'ai animé pendant des années un diplôme universitaire de management des soins des équipes pour les cadres hospitaliers. Et donc j'ai pu voir en temps réel et en grandeur nature tous ces problèmes de confiance et de défiance tels qu'ils peuvent se déployer à l'intérieur d'une institution ou d'un établissement. Et là, on est toujours, nous, en train d'osciller entre du pire et du meilleur, enfin ce que j'appelle le pire. C'est la nostalgie. C'est-à-dire, c'est le regret de ce qui est en train de disparaître. Parce qu'effectivement, dans toute mutation, des pans entiers de nos identités qui sont en train de disparaître, évidemment. Hein. Et on va se mettre à défendre nos modèles, puisque c'est ce qui nous tient. Ce sont des éléments de nos identités, donc on va les défendre. Tant qu'on n'a pas un autre modèle à se mettre sous la main, je comprends bien qu'on ne puisse pas faire autre chose que de défendre les modèles dont on dépend. Et qui nous constitue. Et là, le problème, dans le moment qui nous occupe, il s'agit d'avoir le courage de ça, c'est-à-dire un regard de curiosité bienveillante sur ce qui est en train de nous arriver à travers nos enfants, tout simplement. À travers nos enfants et nos jeunes collaborateurs. Hein, parce que je vois avec les cadres hospitaliers, en ce moment, on se met à m'inviter dans les hôpitaux de France et de Navarre, les cadres, en me disant nous ne pouvons plus gérer nos jeunes professionnels, il faut que vous nous racontiez comment ça peut marcher, quoi. Parce que ceux que j'appelle mutants en France, c'est quand même, on peut aller jusqu'à 25 ans sans problème aujourd'hui. Hein. Donc, porter un regard bienveillant sur ce qui émerge à la place de ce qui disparaît, c'est une jolie petite phrase, elle n'est pas de moi. Hein. Elle est d'un vieux psychanalyste qui a été mon contrôleur il y a 40 et quelques années, qui a été un des premiers psychanalystes à repérer cette mutation. 2001-2003, il a fait un joli petit bouquin inquiet, évidemment, comme tous les psychanalystes à l'époque, bien sûr. Hein. Qui s'appelle « L'homme sans gravité ». C'est un joli petit bouquin, très inquiet, où il parle de la nouvelle économie psychique, etc. Il avait bien vu ça. Et puis, j'ai travaillé avec lui trois ou quatre fois ces années dernières. On avait un petit groupe avec lui et puis Marcel Gauchet. Et un soir, il me dit « Je ne suis plus du tout inquiet pour cette jeunesse parce que j'ai appris à voir ce qui émerge à la place de ce qui disparaît. » Il a 85 ans. Donc c'est beau, hein, je dirais vraiment beau, quoi. Hein, c'est quand même une éthique superbe, quoi. Et effectivement, pour un praticien, c'est facile, c'est douloureux, mais c'est facile. Hein. Ce qui émerge, c'est facile à voir, c'est juste là, juste au moment où on ne comprend plus rien, quoi. Hein. Donc, quoi faire de ça ?
Me concernant, j'ai opté pour la mise en perspective, pour la comparaison. Ça permet de... Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que je voyais avant, qu'est-ce que je vois plus, et qu'est-ce que je vois à la place de ce que je voyais avant. Ça me paraît assez cohérent comme démarche. Hein. Et je dois dire que ça a été assez payant du point de vue de la pratique. Hein. Et on part évidemment de l'identité. Alors pourquoi on parle d'organe? Pour une raison simple, c'est que là encore, notre capacité à disjoindre, notre capacité analytique nous fait toujours penser l'organisme d'un côté, les identités de l'autre, alors qu'il est très facile d'observer, pas seulement pour les praticiens d'ailleurs, hein, que lorsque nos identités sont attaquées, on tombe malade, physiquement. Et que quand nos identités sont très sévèrement attaquées, on peut en mourir physiquement. Hein, c'est des choses qui sont très faciles à observer. Ça avait été observé en 1931 par Walter Cannon, qui était un physiologiste génial, qui n'a pas inventé que ça d'ailleurs. C'est lui qui a inventé le concept d'homéostasie. Un concept qui a perduré. Hein. Il a inventé, il a fait toutes sortes d'inventions aussi, d'autres inventions en médecine. Il avait décrit la mort d'un homme en bonne santé, simplement par le fait que le chaman lui avait piqué son identité. J'en ai fait une partie de... il se trouve que Lévi-Strauss a repris ça dans son Anthropologie structurale en 1958, en disant ce que Cannon décrit... il est clair que s'il a raison, on va le trouver aussi dans nos sociétés, et en particulier à l'hôpital. C'était un peu tôt pour en parler comme ça, en 58, donc il s'est fait ramasser. Hein. Mais il avait évidemment raison. J'en ai fait une partie de ma thèse, et j'ai eu aucune peine à trouver des gens qui meurent quand on leur pique leur identité. À l'hôpital. Alors, donc, mise en perspective, nos identités à nous, elles sont de forme appartenancielle. Ça veut dire que ce sont nos groupes d'appartenance qui nous gèrent. Notre famille, notre équipe nous gère. Hein, alors, c'est un côté très, très chaleureux, si je puis dire, quand ça marche. Hein, puisque dans mes groupes d'appartenance, à condition que je sache pratiquer les rituels d'appartenance de ces groupes, que ce soit où que ce soit, hein, que ce soit à l'usine ou que ce soit dans un laboratoire ou que ce soit à l'hôpital. Hein. Si je sais danser avec le groupe, à savoir si je sais pratiquer les rituels d'appartenance spécifiques de ce groupe, alors ce groupe me dit comment, qui je suis, il me dit qui je suis, il me dit qui nous sommes, où nous allons, c'est-à-dire quel type de mission est la nôtre. Comment nous devons nous comporter les uns avec les autres, hein, des règles implicites d'interaction, et comment, évidemment, on doit se comporter avec ceux qui ne sont pas de nos groupes. Et là, en tant que professionnel, vous avez forcément pu observer maintes fois que l'appartenantiel à l'intérieur d'une entreprise génère de l'hostilité et de la compétition entre groupes. Hein, c'est-à-dire que chaque groupe a l'impression que l'autre groupe va vouloir lui piquer quelque chose. Ou ne lui veut pas du bien. Hein, et le manager, il a à gérer sans cesse ce genre de problème. Et donc, c'est l'appartenantiel produit de la xénophobie, par principe. Hein, xénophobie par principe. Bon. Et puis, nos enfants, on veut dire, la manière dont ils fonctionnent montre qu'ils sont plutôt appartenantiels, c'est-à-dire qu'ils sont individualisés. Pas spécialement plus individualiste que nous, d'ailleurs, hein, mais individualisé. Donc les barrières appartenancielles ne sont plus leur problème et ils peuvent être amis avec n'importe qui dans le monde. Et là, y a toujours le truc assez amusant quand je travaille avec des parents comme ça, qui me disent, vous vous rendez compte, il ou elle me dit, adolescent, hein, me dit qu'il a 650 amis sur Instagram, parce que Facebook, ça ne l'intéresse plus, ils trouvent que leurs parents là-dedans. Hein. Les gamins, ils me disent, vous rendez compte, j'ai lâché Facebook, il y a toujours mon père et ma mère et ma grand-mère qui me disent, je veux être ton ami sur Facebook. Donc ça, ils ont lâché ça. Hein. Et pour nous, il est extrêmement difficile de concevoir des amis qu'on ne voit pas.
Donc 650 amis sur Facebook ou sur Instagram, c'est inenvisageable, ce n'est pas tes amis. Toutes les mutations redéfinissent les grandes formes d'interaction. Bien sûr qu'ils ont des amis proches aussi, des amis qu'ils voient, mais ils ont aussi cette autre forme d'amitié, ces autres formes d'amitié, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas binaire. Hein. Donc cette individualisation du monde, on s'en plaint beaucoup. Ça donne chez les jeunes professionnels des manières de fonctionner qui sont très différentes des nôtres, qui posent des problèmes managériaux, clairement, hein, jusqu'à ce qu'on pige comment fonctionner avec eux, bien sûr. Hétéronomie, autonomie. On parle beaucoup d'autonomie, on parle beaucoup moins d'hétéronomie, c'est pourtant ce qui nous caractérise. Hein, puisque, de manière générale, sauf quand on agit, sauf quand c'est notre mission, je dirais, on n'a pas la prétention de produire des nouveaux savoirs, des nouvelles valeurs. Ben, l'objectivité, là encore, freine ce genre de choses. Hein. Hein, on est les véhicules aussi loyaux que possible de savoir, de savoir-faire et de savoir-être établi. Et puis l'autonomie, c'est autre chose, hein. Ce n'est pas l'indépendance. Hein. Il y en a toujours dans une confusion dans l'univers sciences humaines et pratiques humaines. On est toujours dans... d'abord, un, il faut les autonomiser, les enfants, ce qui est un paradoxe. Hein. Dès l'instant où vous décidez d'autonomiser quelqu'un, vous l'empêchez de devenir autonome. Hein. Ça, c'est implacable. Hein. Mais ça nous arrange, parce qu'on n'a pas envie qu'il soit autonome, de toute façon. Puisque l'autonomie consiste à, bien sûr, à coproduire des savoirs nouveaux, des savoir-faire nouveaux. Hein. Et c'est ce qui arrive à l'école. Un des problèmes majeurs de l'école, c'est comment passer à une forme d'enseignement qui privilégie les compétences autonomes. Hein. C'est ce qu'on appelle la pédagogie active. On est loin d'être arrivé à ce qui est nécessaire en matière de pédagogie active. Ça vient tout doucement, en France, plus lentement qu'ailleurs, parce qu'on est quand même hyper cartésien en France. Hein, quand je circule dans toute la petite Europe avec mes salades, là, hein, et je vois bien qu'effectivement, dans les pays alentours, ils sont quand même beaucoup, beaucoup moins cartésiens que nous. Quoi, hein. Encore quelque chose d'important. Là, on est en train de traiter de modes d'interaction, donc de valeurs. Hein. Nous, on a besoin de reconnaissance. Ce qui fait que nous sommes dans l'affirmation de l'autre. Nous attendons la reconnaissance d'autres, identifiés par nous en plus. Hein. Et pour obtenir la reconnaissance des autres, ben, il faut avoir une idée suffisante de ce qu'ils attendent de nous pour le leur offrir. Donc on est effectivement, notre monde est entièrement articulé dans l'affirmation de l'autre. Et nos gamins, enfin, qui ne sont plus que des gamins maintenant, hein, eux, ils sont dans l'affirmation de soi, ce qui nous chagrine un peu. Hein, ce qui est pas bon, ce qui est plutôt intéressant en termes de valeur. Hein, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de reconnaissance, mais ils ont besoin de se sentir visibles. Et ils sont responsables personnellement de leur mise en visibilité d'eux-mêmes. Alors là, du point de vue jeunes parents... jeune et moins jeune et éducateur, et psy, on est dans la catastrophe, parce que rien n'a été géré du rapport à l'image et du rapport à la connexion. C'est-à-dire que, nous, comme la visibilité, cette notion de visibilité, était quelque chose qui nous était complètement étranger, il est clair qu'on ne pouvait pas aider les enfants à construire des espaces de visibilité plus intelligent que balancer 550 selfies sur Instagram. Actuellement, on est un peu dans ce problème-là, hein, que la visibilité se confond avec la mise en image, alors que la mise en visibilité pourrait se confondre avec des choses beaucoup plus intelligentes. Mais cette affirmation de soi, pour la petite histoire, vous la voyez se déployer tous les jours à travers ça, mais vous savez, les tiges à selfies, vous voyez ce que c'est une tige à selfie. Moi, quand je vais dans une ville, une belle ville nouvelle, je photographie les monuments. Et vous voyez, le mutant moyen se photographie devant le monument. Le monument est là, derrière moi. Hein. C'est-à-dire que là, on est
on voit un des avatars, si je puis dire, de l'affirmation de soi. Sachant que ça pourrait être plus futé que ça, évidemment. Hein. Le rapport aux objets, là encore, est quelque chose qui a beaucoup changé. Hein. Notre rapport aux objets à nous, il se trouve que le rapport aux objets, là, c'est quelque chose qui a été peu travaillé pendant des décennies, c'est que notre rapport aux objets est entièrement organisé par des rituels. C'est-à-dire les objets que nous choisissons, y compris les vêtements, sont entièrement organisés par des rituels d'appartenance. Et c'est très amusant, hein, parce que avec les groupes avec lesquels je travaille sur le long terme, c'est quand ils ne veulent pas me croire, je prends une personne en aparté et je lui dis la semaine prochaine, vous arrivez avec des vêtements qui ne sont pas du tout ceux que vous utilisez habituellement pour aller travailler. Et observez ce qui va se passer. Et en fait, il ne se passe pas 5 minutes avant qu'un collègue arrive et dise « Où vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?» C'est quelque chose qui ne passe, je veux dire, 5 minutes maximum. Hein. C'est-à-dire que les rituels d'appartenance sont étroitement surveillés, si je puis dire. Étroitement surveillés. Et les personnes qui ne peuvent pas comprendre ça et qui persistent vont se trouver altérisées, vont se trouver exclues du groupe. Sur des choses aussi stupides que des vêtements. Hein. Donc, les objets dont nous nous entourons, ils consistent à montrer nos appartenances, à nous sentir reconnus, bien sûr. Alors, il y a une chose intéressante du point de vue sociétal. Je vais jargonner une minute psychanalytique. En psychanalyse, ce qu'on appelle la castration symbolique, c'était l'essentiel de la fonction paternelle. Ça ne marche plus, hein. Mais au XXe siècle, ça marchait très bien. Hein, c'est-à-dire que le père, la fonction du père, c'était de séparer l'enfant de la mère. Hein, c'est-à-dire que quand l'enfant entrait dans l'espace vers 3, 4 ans, 5 ans, entrait dans l'espace paternel, était susceptible d'intégrer la symbolique paternelle, donc aussi l'autorité de mode paternel, l'enfant était coupé de la mère. Les mères étant définies comme des êtres particulièrement dangereux, puisque s'il n'y avait pas un père pour séparer l'enfant de la mère, elle ne pouvait en faire qu'un sociopathe, un psychopathe, un psychotique ou un pervers. Hein. Bon, les psychanalystes ont colporté ça pendant des décennies. Hein. Je l'ai fait quand j'étais jeune aussi. Hein. Alors, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai, ça a été vérifié. Hein. Donc, cette castration symbolique, bon, elle fonctionnait, puisque ça permettait à l'enfant d'entrer dans cet espace-là, qui était l'espace organisant. C'est-à-dire l'autorité de mode paternel, l'autorité verticale, était la valeur organisante centrale de notre monde. Je vais le développer un peu plus loin. Ce faisant, le problème, c'est que quand le père efficacement séparait l'enfant de la mère, il le séparait de la matrice de tous les objets possibles, de tous les objets de satisfaction possibles. En psychanalyse, on jargonne beaucoup sur le lait maternel, le sein maternel, le corps de la mère, etc., parce qu'il y a quelque chose de fondamental, hein, puisque ce rapport d'extrême proximité, c'est ce qui rend la vie possible chez un nourrisson. Mais cette rupture instantanément transformait tous les objets en objets par définition frustrants. C'est-à-dire plus aucun objet à partir de là ne pouvait devenir un objet de satisfaction. C'est une bonne manière de nous éclairer sur notre consumérisme forcené, hein, sur la façon dont nous passons notre temps à acheter, notre complicité active du consumérisme progressif au niveau 19e, 20e siècle. Sachant que ce que la psychanalyse a modélisé, c'est qu'effectivement, à partir de l'instant où on est entré dans cet univers symbolique paternel, plus aucun objet n'est capable de nous satisfaire. Mais le problème, c'est qu'on passe notre temps à chercher l'objet qui pourrait nous satisfaire. Hein, quand j'ai cherché cet ordinateur,
on ne fait pas mieux. C'est le nec plus ultra. 1 teraoctet de SSD, vous vous rendez compte? Entre autres. Une fois que je l'ai, quoi. C'est tragique. Et je le trouve lent maintenant. Il m'agace. Et on en est tous là. Hein. Donc on est des consommateurs effrénés et c'est très largement lié à ça. Hein. Il y a une dynamique comme ça. Et il se trouve que nos petits mutants, contrairement à ce que nous essayons de nous faire croire et contrairement à ce que la machine marchande essaie de porter, alors comme eux, ils sont pas appartenantiels, ils ont des rituels d'existence, il faut qu'ils manifestent leur existence. Et pour manifester leur existence, il faut qu'ils soient connectés, évidemment. Mais ce que les psychanalystes ont commencé à modéliser, c'est que là où nous étions, la castration symbolique fait de nous, de ce qu'on appelle en psychanalyse, des sujets désirants, c'est-à-dire des gens qui sont susceptibles d'être capables de supporter la frustration définitivement. Et il se trouve que nos petits mutants, eux, c'est des individus plutôt compacts, c'est-à-dire que eux, d'abord, cette castration symbolique ne fonctionne plus. En même temps, je ne sais pas si je le dis plus loin, mais ce n'est pas grave. En France, où la psychanalyse est encore très installée par rapport aux pays alentours, ce sont les psychanalystes qui, les premiers, se sont inquiétés de ce qui était en train de se passer. Parce que la psychanalyse s'est entièrement organisée autour de la symbolique paternelle. C'est sa structure de base, la symbolique paternelle. Et ils ont été donc les premiers à s'apercevoir que l'autorité de mode paternelle, la symbolique paternelle, était en train de s'effacer. En France, dès le début des années 2000, c'est devenu très perceptible. Donc, inquiétude chez les psychanalystes, parce qu'ils n'imaginaient pas un monde qui puisse fonctionner autrement qu'à partir de ça. Pas d'autorité de mode paternelle, rien que des pervers. Hein, j'ai des collègues qui ont écrit des bouquins épais comme ça, pour parler de la perversion ordinaire qu'allait s'installer à partir de l'instant où les pères ne seraient plus ces séparateurs de mère, quoi. Hein. Alors là encore, on a vu que ce n'était pas comme ça. Hein. Donc, individus compacts, c'est-à-dire des gens qui sont plus proches du besoin que du désir. Alors ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que le désir ne peut pas se satisfaire, n'a pas d'objet de satisfaction. Le besoin rencontre des objets de satisfaction, sur un mode cyclique certes, mais rencontre et identifie des objets de satisfaction. On a donc affaire à des gens qui sont susceptibles d'être des moindres consommateurs. On le constate de plus en plus d'ailleurs quand on observe toute une catégorie moyenne de jeunes adultes mutants. On voit la majorité d'entre eux ne sont plus des grands consommateurs. Ils mettent en place des systèmes d'échange, de troc, ils achètent des choses d'occasion, ils mettent en place des systèmes de coopération. Là encore, quand on parle de valeur, la valeur centrale chez nous était la valeur compétition. Il semble que la valeur centrale qui soit en train de s'installer, pour eux, est la valeur coopération. Intéressant. Enfin, de notre point de vue, en tout cas, intéressant. Bon, pour l'instant, le problème, c'est le lien organique avec l'objet connectique. C'est-à-dire, rien n'en a été régulé, par les parents, bien sûr. Hein. Rien n'en a... Les chercheurs n'ont encore... balbutient encore avec ça. Hein. Je veux dire, il y a un début d'inquiétude. Hein. Je disais là que très récemment, des collaborateurs d'Apple... s'inquiétaient de ce que les enfants devenaient addicts au smartphone, et qu'Apple y concourait de manière très active d'ailleurs. Donc on commence seulement à s'inquiéter de ce problème, alors que nous sommes tous devenus, pas seulement les enfants, hein, addicts à cette machine, qui est fascinante, qui est clairement fascinante, qui montre à quel point l'humain a besoin de communiquer. Chaque fois que vous donnez les moyens à un humain de communiquer, il communique, quoi.
Là, je ne vais pas vous raconter cette aussi, après tout. C'est une manip faite chez les États-Unis récemment, vous voyez. Donc, ils ont pris 208 étudiants, ils les ont mis dans une salle, et puis devant un matériel électronique à démonter et à monter. Ils étaient tous branchés, évidemment, c'est-à-dire que les expérimentateurs dans la pièce d'à côté connaissaient leur pression artérielle, le taux de battement cardiaque, le taux de sudation, le rythme respiratoire. Et au bout d'une heure, les expérimentateurs entrent dans la salle, tout se passait bien donc. Les expérimentateurs entrent dans la salle et disent « Nous sommes désolés, nous allons être obligés de vous prendre vos smartphones, les emmener dans la salle à côté parce que il y a un risque d'interférence avec les objets électroniques que vous êtes en train de monter, sachant que les objets électroniques avaient été testés au niveau de plusieurs formes d'intelligence, dextérité, etc. Enfin, » Dès que les smartphones sont dans la salle à côté, pression artérielle monte de 4 points, le cœur s'emballe, ils se mettent à transpirer et ils perdent la moitié de leurs compétences. Donc là, effectivement, on voit malheureusement que le smartphone est devenu pour eux un prolongement organique. Et en famille, on le voit aussi. Hein, je veux dire, j'ai à ma consultation des parents qui viennent me voir parce qu'une violence inouïe s'est développée chez eux, une violence classique. Simplement, papa a arraché le smartphone au fils ou à la fille parce qu'il en avait marre de ne pas être entendu et de la voir ou de le voir en train de balancer des SMS. Et l'arrachage consiste en une mutilation. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit bien de la douleur exquise qu'on décrit en médecine, hein, qui est une douleur ingérable. Hein, c'est une douleur qui rend fou momentanément. Donc, effectivement, vous leur arrachez leur smartphone à ce moment-là, ils se mettent à tout péter autour d'eux, détruire leur chambre. C'est une expérience qui n'est pas une expérience très enrichissante pour qui que ce soit. Donc, on arrête d'arracher, Mais il est important, je ne l'ai pas développé pour vous ce soir, hein, évidemment, ce n'était pas notre objet, mais vraiment important de commencer à penser le rapport au smartphone, qui résume toutes les connexions possibles hein, aujourd'hui. Hein, sachant que pour la petite histoire, aujourd'hui en France, nous avons 7% des enfants de 6 à 10 ans qui possèdent déjà un smartphone. Hein, 64% à 12 ans, 95% à 15 ans. Et nous autres, nous tripotons en moyenne chaque jour notre smartphone 150 fois, en moyenne. On ne peut pas dire que c'est seulement pour le travail, quoi. Et là, ben, on est typiquement devant ce superbe travail d'Ivan Illich. Hein. Je veux dire, quand une technologie se montre si efficace qu'elle prend le pouvoir sur toutes les autres technologies, eh bien, elle engage un processus de contre-productivité par encombrement. C'est vrai pour le TGV, c'est amusant le TGV, parce que pour qu'il aille plus vite, ben, on connaît tout ça, parce que vous pratiquez comme moi le TGV souvent, je pense, hein. Pour qu'il aille plus vite, on a mis des gares TGV à la campagne, parce que comme ça, on gagne beaucoup de temps. Le TGV gagne beaucoup de temps, mais nous perdons beaucoup de temps. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans certaines villes importantes, je pense à Besançon par exemple, qui n'est pas tout à fait une petite ville, depuis que le TGV est à la campagne au lieu de s'arrêter dans la gare, on ne peut le prendre plus que deux fois si on prend la navette au lieu de quatre fois, et puis c'est à 16 km. Il faut y aller, quoi. Hein. Donc là, on se trouve devant des processus assez amusants, enfin amusants, un peu inquiétants quand même, hein, où le TGV va plus vite, mais nous qui prenons le TGV allons plus lentement. Et Illich avait travaillé sur les processus de contre-productivité à l'école, à l'hôpital et dans l'église. Il était prêtre au départ, donc il s'est fait virer vite fait parce qu'il a commencé par les processus de contre-productivité dans l'église. Donc il s'est fait défroquer vite fait, bien fait. Mais il a continué à travailler dans son centre, dans son SIDOC. Les autoroutes, pas seulement vis-à-vis de la marche à pied, c'est-à-dire que plus les autoroutes se développent, plus les routes
les petites routes sont mal entretenues, etc., etc. C'est-à-dire, on se trouve toujours devant ces problèmes-là, quoi. Énergie équité, je crois qu'on le trouve en totalité gratuitement dans l'Internet à l'heure actuelle. C'est vraiment à lire parce qu'on dirait que ça a été écrit hier encore. Là. Bon, ça, j'ai... Hop. Ah oui, il a inventé dans les années... Il y a des gens parmi vous qui se rappellent de ce type ? Ilitch, Ivan Ilitch ? Je sais pas. C'est les années 70, quoi. Hein. Donc, 60-70. Alors, le rapport au collectif, là encore, et pour les managers, c'est un vrai problème, autant que pour les enseignants, par exemple, hein, c'est que le collectif de nos jeunes aujourd'hui n'est plus du tout le collectif qui est le nôtre. Il ne peut plus gérer de la même manière. Hein. Hein, donc, dans notre monde, on était donc dans un univers où le collectif produisait des individus, c'est-à-dire c'est le collectif qui gère les individus. Un individu n'est supportable et supporté dans un collectif que s'il a appris à pratiquer les rituels collectifs. Et aujourd'hui, on est face à des individus qui produisent une autre forme de collectif, que j'ai appelé connectique, hein, et qui est une forme de collectif beaucoup plus évanescent, efficace, hein, mais beaucoup plus mouvant. C'est-à-dire qu'on se connecte. Je vous donne un exemple que j'ai entendu décrire il y a 3 ans, je me rappelle, sur France Culture. C'est un chercheur français qui travaillait en Russie et qui étudiait les différentes formes de groupes en Russie. Donc, il nous décrit les groupes politiques, les différents groupes écologiques, les groupes, etc., etc. Puis il ajoute, et j'ai rencontré une autre forme de groupe, horizontale. Alors, je lève l'oreille, puisque ça fait partie du monde de mes travaux, ça. Il se dépatouille pour finir par nous faire comprendre qu'il s'agissait, ça avait démarré sur l'Internet, bien sûr, et il s'agissait de devenir observateur. Observateur dans les bureaux de vote en Russie. Sachant que le bourrage d'urne reste quand même une stratégie classique en Russie. Donc ils avaient décidé, tous ces jeunes mutants, forcément jeunes adultes, de se distribuer dans les... Ils étaient une quinzaine de milliers, disait-il, qui avaient défini collectivement ce qu'était un bon observateur. Et puis le jour dit, se sont distribués dans les bureaux de vote pour veiller à ce que le vote se fasse de manière aussi démocratique que possible. Et ce chercheur ajoute, mais ces individualistes... au lieu de s'organiser, se sont dispersés après. Hein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pigé qu'il avait affaire à un autre monde, là. À savoir qu'effectivement, ces gens se sont connectés pour une tâche, qu'ils ont accomplie du mieux possible, et que la tâche accomplie, ils se sont déconnectés pour aller voir ailleurs. Et lui, il aurait voulu, en bon institutionnaliste 18e et 20e siècle, on va dire, hein, qu'une réussite comme celle-là puisse aboutir à une association qui génère un conseil d'administration, un local, un bureau, etc., etc., quoi. Il ne le voyait pas autrement. Et il n'avait pas pigé que c'était effectivement autre chose, quoi. Qu'une fois la tâche accomplie, on allait se connecter ailleurs pour d'autres tâches. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que dans toutes les mutations, les formes d'institutionnalisation changent. Il vous est facile de vous rappeler comment l'institution monarchique a été balayée par l'institution républicaine. Hein. Formes d'institution complètement différentes. Et là, nous sommes dans la phase de désinstitutionnalisation. Parce qu'il y a une forme de désinstitution, de réinstitutionnalisation sur un autre mode. Et là, on est dans cette phase de désinstitutionnalisation inquiétante, certes, hein, sans qu'on puisse vraiment savoir quelles seront les formes nouvellement stables, si je puis dire, institutionnelles. Ça, je suis bien incapable de... Parce que, clairement,
ce qui se dit un peu partout chez les gens, qui, que ce soit les praticiens, que ce soit les organisateurs, que ce soit, etc., on envisage de plus en plus des institutions sans mur. Hein, c'est-à-dire on n'a plus forcément besoin d'avoir un immeuble, quoi. Donc ça, c'est, bon, on est un peu là-dedans. Jusqu'où ça ira, je n'en ai aucune idée. Parce que de temps en temps, il faut bien un immeuble, quoi, quand même, je me dis. Ou alors, il y a des immeubles qui servent à beaucoup de choses, ou je ne sais quoi. Mais là, on est dans une phase où, personnellement, je serais bien incapable de jouer le futurologue. Hein. Donc l'unité de base, aujourd'hui, c'est l'individu, qui doit rester visible dans le processus. Donc il se connecte, il se déconnecte au gré de ce que telle ou telle connexion lui offre comme visibilité suffisante. Alors les équipes, ben oui, le problème des équipes, alors les équipes appartenancielles, quand elles sont constituées juste d'individus appartenanciels, ça ne pose pas de problème. Ils connaissent tous la même règle du jeu, donc ça roule. Les équipes connectiques, si effectivement il n'y a que des mutants, là encore, la même règle du jeu est partagée, ça ne pose pas de problème majeur. Ce sont les équipes mixtes qui posent un certain problème. C'est ce que je vois à l'hôpital souvent, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes professionnels dans les hôpitaux. Hein. Et là, je vous donne un petit exemple amusant. Dans ce DU de management des soins des équipes, régulièrement, chaque année, il y avait un cadre qui arrivait furieux en disant « Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ?» Je dis « Non, je ne sais pas. » La semaine dernière, je réunis mon équipe parce qu'il y avait une décision à prendre. Donc, on en parle, on prend la décision. Mademoiselle ou monsieur Intel, sous-entendu mutant, était en récupération. Donc, je l'attrape le lendemain dans le couloir et je lui dis, voilà, tu sais que nous avons eu une réunion hier. Voilà ce qui a été décidé. Vous savez ce qu'il me répond ? Je ne peux pas être concerné, j'étais pas là. Alors là, c'est un crime de lèse collectif, là. Les dents poussent. et c'est la fureur, parce que c'est effectivement un vrai crime de lèse collectif. Et nous, on ne peut vivre ça que comme une proposition de bras de fer. Je te défie. Alors que ce n'est pas du tout l'objet. Parce que la solution était toute simple, on l'a expérimenté de nombreuses fois. Hein. Donc les fois suivantes. J'ai prévenu les cadres en leur disant si cette chose-là vous arrive, pas de panique. Hein, vous dites à la jeune ou à la jeune personne en question mais c'est vrai, tu ne peux pas être concerné, tu n'étais pas là. Qu'en penses-tu ? Et là, le ou la jeune en question réfléchit 30 secondes et dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on en avait parlé avant, de toute façon, je me doutais bien qu'on en arriverait plus tôt là. Ils ont juste besoin d'être visibles dans le processus. C'est tout. Ce n'est pas des postes 68 heures, c'est ça. Alors que nous, oui. Donc ces équipes mixtes, ça pose parfois de vrais problèmes que j'ai pu voir. Hein. J'ai été amené un certain nombre de fois à aller éteindre le feu dans des équipes mixtes où les escalades symétriques se succédaient les unes après les autres, quoi. Parce que à chaque fois que les connectiques... prenons l'hôpital. Des jeunes travailleurs, que soient des infirmières ou des aides-soignantes, elles font leur travail. Elles connaissent leur fiche de poste, elles font leur travail. Si elles ont besoin pour une tâche d'être plusieurs, elles se connectent pour cette tâche, sans problème. Puis dès que la tâche est accomplie, elles se redéconnectent, sans problème. Elles vont voir ailleurs parce qu'elles ont autre chose à faire individuellement. Pour les appartenanciels, c'est insupportable. C'est insupportable. Il faut que tout le monde marche d'un même pas. Hein, à l'école, le groupe classe doit être un groupe uniforme. Dans l'éducatif, le groupe éducatif doit être un groupe uniforme. Aucune demande individuelle ne peut être honorée parce que ça fout mon groupe en l'air. Hein. Le groupe doit rester immobile et silencieux. Hein. Donc on se trouve là devant des formes de management radicalement différentes.
Les formes de l'autorité, on en avait déjà parlé un peu. Hein. Effectivement, ce qu'on appelait l'autorité, on a bien été obligé de la modéliser, puisque tout d'un coup, on voyait bien qu'on était devant quelque chose de complètement différent. L'autorité de mode paternel, bon, elle est facile à modéliser, parce qu'elle est clairement fondée sur la menace et sur l'exigence de soumission. Clairement. Tu obéis ou tu es puni. Et c'est valable en famille, mais c'est aussi valable en entreprise. Donc cette forme, il y a certainement une mutation. Je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ça, parce que c'est la première loi écrite à Rome qui pose ça, qui décrit le pater familias dans son droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et ses esclaves. Tout d'un coup, paf, première loi écrite à Rome qui pose ça. C'est quand même un coup de force très particulier. Bon, je n'ai pas trouvé d'historien qui veuille bien faire le boulot à ma place et je ne l'ai pas fait. Donc c'est une forme d'autorité qui prescrit la soumission, qui prescrit bien sûr la domination masculine, évidemment, hein, symbole phallique, hein, puis le rapport tiers désaffectivé. Et c'est vrai que le père... La fonction paternelle n'était pas spécialement drôle dans la mesure où le père était forcément le père interdicteur et punitif. Hein, dans les familles, comme les mères, elles, n'étaient pas douées d'autorité. Hein, parce que ça, on peut noter aussi une chose tout à fait passionnante pour un psychopathologiste que je suis, c'est mon métier, c'est que chaque mutation organise... Il émerge dans chaque mutation une caractérologie générale qui se décline de mille manières après. Hein. Et dans la mutation du XVIIIe siècle, la caractérologie générale, ça a été l'homme obsessionnel, la femme hystérique. Tout à fait intéressant, ça. Les grandes études sur l'hystérie, pas les grandes études sur l'homme obsessionnel, vu qu'il était normal, lui. Hein. L'homme obsessionnel, ça va avec, hein, rappelez-vous, que quand on étudie, quand on fait l'épistémologie des sciences, on voit que le XVIIIe siècle, les sciences reines du XVIIIe siècle, ont remplacé l'observation par le calcul. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très notable, ça. Hein, on remplace l'observation par le calcul. Hein, Newton, avec sa petite formule extraordinaire, quoi. Extraordinaire, c'est-à-dire sa petite formule, tout d'un coup, tout devient intelligible dans le ciel. Mécanique. Mécanique céleste. Hein. Donc, le calcul remplace l'observation. Je me rappelle que Pierre-Gilles Lejeune s'en plaignait beaucoup. Il disait, il s'en plaignait pour les X d'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'il disait, quand je donne des cours, j'ai des 4R, j'ai des X, etc. Et puis, je leur donne un problème dur, quoi. Et il décrivait ça. Hein. Et il disait... Bon, les 4R, ils se mettaient à bricoler. Ils étaient à bricoler. Puis les X, ils étaient de là-devant, puis à un moment, ils se fâchaient, puis ils disaient « Mais enfin, c'est quoi la bonne formule ?» Donc, excusez-moi, c'est pas moi, c'est de gêne. Hein. Donc, effectivement, les 4R, c'est des bricoleurs, quoi. Je suppose qu'ils le sont restés, j'en sais rien. Enfin, mes vieux copains 4R sont des bricoleurs, c'est vrai. Alors l'autorité aujourd'hui, problème, c'est qu'effectivement elle a migré sur l'individu. Ah oui, un individu construit, autonome et individualisé, comment, où voulez-vous que l'autorité migre? Alors, bon, quand ils auront tous 50 ans, ils se débrouilleront entre eux. Pour l'instant, ça nous pose un problème parce qu'ils sont encore bien jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire en tant que praticien qu'un enfant de 2 ans et demi est déjà façonné de telle façon qu'il montre à ses parents, sans même savoir qu'il le fait, hein, qu'il a autorité sur lui, qu'il est l'égal de ses parents. Et les pauvres parents, ça les perturbe de manière grave dans la mesure où ils sont impactés par ces signaux sans pouvoir les identifier. Ce qui donne que toute une génération de parents inquiets. Les parents d'aujourd'hui sont des parents inquiets. Le problème, c'est qu'un parent inquiet est un parent inquiétant pour ses enfants. Donc ça, ma foi, on en est là à l'heure actuelle.
Mais l'autorité sur soi, ça prescrit des choses tout à fait passionnantes, de notre point de vue en tout cas, hein. La responsabilité personnelle, l'égalité de tous. Ah oui, si on a tous autorité sur nous, on ne peut pas se commander mutuellement. Il faut bien qu'on négocie entre nous. Et un rapport beaucoup plus dualisé. La hiérarchie, ça nous intéresse beaucoup aussi, bien sûr, ça. Là, on est dans le chapitre des valeurs, là. Sachant qu'une valeur, je vais le noter après, mais sachant qu'une valeur... Pas de problème. Une valeur, c'est jamais rien d'autre qu'un rituel d'interaction sociétalement prescrit. Une valeur, c'est toujours un acte. Et des actes qu'on ne se voit pas opérer, en plus. C'est ce qui leur donne une telle efficacité, d'ailleurs. Donc la hiérarchie, dans notre monde, elle est verticale, c'est pas un scoop. Qu'est-ce qu'elle garantit? Elle garantit le principe d'inégalité par la différence. Nos sociétés sont organisées de manière tout à fait intéressante, à travers des groupes inégaux. Des formes de complémentarité, ça fonctionnait, hein, je veux dire. Sachant que toute différence pouvait être un marqueur hiérarchique. Et qu'entre individus, chaque fois que c'était nécessaire, on s'observait dans ce registre-là. Même diplôme, même âge, même nombre de points. Qui va dégainer le premier, là, hein, parce que, ah oui, sur le même point, il n'y a pas de place pour deux, quoi, hein, donc... Et ce qu'on appelle le respect, ça c'est dans l'univers éducatif, c'est un problème majeur à l'heure actuelle. Ce qu'on appelle le respect dans notre monde à nous, c'est une danse de signaux de soumission face à des signaux de domination. C'est facile à voir, quand on met les gens sous vidéo, c'est implacable. C'est amusant comme tout d'ailleurs, parce qu'on ne se voit pas le faire. Hein. Je veux dire, si je suis en face de quelqu'un que j'estime être mon inférieur hiérarchique, je lui montre, sans même le savoir, des signaux de domination. C'est ce que je suis en train de faire là. Mes genoux sont bloqués, bassin à peine basculant en arrière, épaule en arrière, comme ça, regard altier et tout. Bon. Et si je suis en face, je sais pas, de mon président d'université, c'est 3 cm. Hein. Les genoux se débloquent, les épaules s'arrondissent légèrement en avant, mon cou se rétrécit à peine, et mon regard est plutôt par là. Et ça, sous vidéo, c'est implacable. C'est-à-dire, on ne s'en aperçoit pas. C'est quelque chose, une valeur, c'est une action incarnée. Et la hiérarchie aujourd'hui, elle est horizontale dans leur monde. Qu'est-ce qu'elle garantit? C'est le principe d'égalité, quelle que soit la différence. Quelle que soit la différence. Et c'est ce qui fait que dans cette mutation, les femmes sont clairement maintenant les égales des hommes. Ce n'est pas encore gagné du point de vue des hommes. Hein, parce que ça nous fout une trouille bleue, hein, quand même. Ouais. Il y a une petite politique, je ne sais plus qui, que je trouve tout à fait futée, qui écrivait l'autre jour, les hommes, ils ne craignent pas du tout le féminisme. Ce n'est pas un problème pour eux, le féminisme. Mais l'égalité, ça, ils ont peur. Parce que tant qu'elles sont féministes, ça veut dire qu'elles sont inférieures. Donc, Et le respect, c'est-à-dire le rituel qui manifeste cette forme de hiérarchie, c'est des signaux d'égalité face à des signaux d'égalité. Alors à l'école, c'est un problème majeur. Et ça peut être un problème majeur pour un manager de nos générations. Hein. Parce qu'il se trouve que, du point de vue des interactions sociétalement prescrites, on est câblé 3 mélodies. La mélodie supérieure, la mélodie égalitaire, la mélodie inférieure. Quand nous disons à nos enfants « va te laver les dents, va prendre ta douche », c'est la mélodie supérieure, avec une formule injonctive, prescriptrice. Hein. Et le problème, c'est que quand on dit ça à un mutant aujourd'hui, il dit aux parents « mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me manques de respect ?» Et à ma consultation, j'ai des enseignants, bien sûr, qui me disent « les élèves ne nous respectent plus », et j'ai des adolescents qui me disent sans arrêt « les enseignants ne nous respectent pas ». C'est-à-dire qu'on voit en compétition, si j'ose dire, ces deux formes de respect, sachant que les gamins en question n'y peuvent rien, ils sont déjà façonnés comme ça. Hein. Et on se trouve avec des escalades symétriques très dommageables aux uns et aux autres, hein. Et en ce qui concerne le manager... Cela dit, les managers dits post-modernes, ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils parlent de réutilisation de hiérarchique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on le pratique.
Mais dans le management, c'est quelque chose qui n'est pas inconnu. Et puis vous savez comme moi qu'en France, il y a une petite centaine de milliers de PME qui fonctionnent déjà comme ça, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin intéressant qui s'appelle Liberté et compagnie. Ce sont des sociologues qui travaillent à l'ESSEC, il me semble, qui sont allés observer... Et bon, c'est intéressant, hein, de voir comment ces entreprises fonctionnent, quoi. Ça semble assez favorable, quoi. Moi, je crois que le sous-titre du bouquin, c'est « Nous avons rencontré des patrons heureux, des employés heureux et des entreprises qui marchent plutôt mieux que les autres », quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est pas notre culture, évidemment, mais c'est quelque chose qui probablement pourrait s'imposer peu à peu. Bon, ben ça, c'est ce que je viens de dire, donc on passe. Voilà, les valeurs, voilà. Donc, une valeur, c'est ça, quoi. C'est vraiment important de ne pas l'oublier. Une valeur, c'est juste un mode d'interaction qui est sociétalement prescrit et qui est incarné et qui se manifeste à chaque seconde dans nos interactions, à notre insu, mais vraiment à chaque seconde. Et le problème, c'est qu'une valeur, c'est une habitude. Et c'est nécessairement une habitude. Et une habitude, là je vous ai mis un petit texte de Gregory Bateson, qui est quelqu'un qu'il faut lire et relire. Hein. Je veux dire, il est passionnant, Bateson. Hein. C'est un logicien de haut vol. Hein. Il dit, c'est bien connu, les habitudes sont rigides. Et leur rigidité découle d'une nécessité, de leur statut spécifique dans la hiérarchie de l'adaptation. Oui. L'économie d'essais et d'erreurs obtenue grâce à la formation des habitudes n'est rendue possible que parce que les habitudes correspondent. Bateson, il est mort depuis un moment déjà, hein, correspondent à ce qu'on appelle en cybernétique un hard programme. Au revoir. Ce qui implique effectivement que quand on manifeste une habitude, il est hors de question de la réexaminer. Ce n'est pas fait pour. Hein, je veux dire, quand on met en œuvre une habitude, cette habitude, elle ne doit pas être examinée. Parce que, je veux dire, si ce genre d'habitude était examiné, on serait dans une valse-hésitation permanente, dans une inefficacité absolue permanente. Hein? Là, il y a effectivement une adaptation sociétale primaire importante. Hein? Le problème dans une mutation, c'est qu'on est obligé de les examiner, les habitudes. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que ça nous est extrêmement difficile de réexaminer une habitude pour pouvoir la faire évoluer. Tu me parlais un peu de ça tout à l'heure quand tu parlais des travaux de Niora. Hein, comment on peut communiquer des choses aussi différentes, si j'ose dire, à la fois aussi importantes, à des gens dont les habitudes de pensée et d'action sont si différentes, quoi. Hein. C'est un vrai problème. Hein, ben, je vous ai déjà dit, c'est la valeur autorité qui était un fondamental dans notre monde. Je veux dire, dans toute entreprise, il y a des supérieurs et des inférieurs. Dans toute famille, il y a des supérieurs et des inférieurs. À l'école, il y a des supérieurs et des inférieurs, etc., etc. Et tout ça, à chaque instant, se manifestait. Sans anicroche, tant qu'on partageait les mêmes valeurs, hein, sans anicroche. Puisque nous-mêmes, 20 fois par jour, étions parfaitement capables, sans même nous en apercevoir, de manifester face à quelqu'un qui était notre inférieur les comportements supérieurs et face à quelqu'un qui est notre supérieur des comportements inférieurs. 20 fois par jour, on pouvait faire ça sans même s'en apercevoir. Hein. C'est une danse sociétale parfaitement ronde, si je puis dire. Hein. Donc la valeur horizontalisation, par exemple, à l'école, hein, je vous parlais des mélodies. Pendant un temps, quand on essayait de modéliser ce qui se passait dans les interactions entre maîtres élèves, quand les maîtres, ou d'ailleurs d'autres adultes, pouvaient dire à un adolescent « me parle pas comme si j'étais ton copain », au début, on avait été un peu feignant, on n'avait pas trop modélisé ça, on avait eu un a priori. Hein, soit vous modélisez, soit vous avez des a priori. Hein. Et on s'est dit « bon, ils sont peut-être un peu trop familiers ». Puis à un moment donné, on s'est dit « faut quand même regarder ça de plus près ». Donc on s'est mis à écouter, à noter, puis on s'est aperçu qu'il n'y avait souvent rien de familier,
là où il s'entendait quand même dire « me parle pas comme j'étais ton copain ». Et on s'est aperçu que c'était juste la mélodie. C'est-à-dire que les adolescents utilisaient la mélodie égalitaire pour répondre au prof. Et ça, c'est une attaque identitaire. Donc le prof, instantanément, contre-attaquait, sans même se rendre compte de ce qui se passait pour lui, quoi. Donc les enfants, les adolescents que leurs parents m'amènent en voie d'expulsion du collège, je leur dis, je peux t'apprendre un truc, hein, on va dans le couloir pour pas que tes parents voient ça, et je leur apprends à jouer les comportements d'infériorité. Je leur dis, tu n'as pas le module, soumission à l'autorité verticale, tu ne peux pas te soumettre, mais tu peux jouer. Et ça marche à 100%. D'un seul coup, plus de punitions, plus de gueulantes, plus de colle, plus, etc. Rien, ils n'ont rien changé dans leur façon de travailler. Ils ont juste donné les comportements attendus. C'est extraordinaire d'efficacité et ça nous montre à quel point ce registre-là est plus important que l'enseignement lui-même. Parce que ce sont des gamins qui peuvent avoir d'excellentes notes, par ailleurs, et qui seront quand même virés pour des problèmes de comportement. Alors, entre égaux, la négociation va de soi, quoi. Mais c'est quoi une négociation ? 21e siècle, hein, c'est pas celle qu'on connaît. Hein, nous on connaît que les jeux à somme nulle, nous, hein, en gagnant et perdant. Compétition. Et ce qui est en train de s'imposer peu à peu, sont des jeux à somme non nulle, c'est-à-dire ce que les Américains appellent win-win. Ouais. Mais ils trichent. Hein. Donc là, il s'agit effectivement d'une forme de négociation où la coopération est la valeur centrale. Alors, mais ça implique chez les individus concernés un rapport différent, c'est-à-dire ça implique que les deux aient une idée suffisante des besoins de l'autre en même temps que de leurs besoins propres. De telle façon que l'un et l'autre vont se priver de quelque chose ou se contraindre à quelque chose au bénéfice de cette coopération qui va les amener à faire quelque chose l'un pour l'autre ou ensemble. On se trouve devant une base éthique où ce qu'on appelait la frustration qui s'imposait de l'extérieur, aujourd'hui, la frustration est remplacée par d'être remplacée par la capacité à se priver ou à se contraindre personnellement. Hein, je suis responsable de. Hein, ce n'est pas une frustration que je subis de l'extérieur. Hein. Au bénéfice d'une coopération, je vais savoir me priver ou me contraindre à quelque chose qui va permettre une négociation. Alors le problème du tais-toi quand je parle, ou de taisez-vous quand je vous parle, hein, c'est effectivement que ça produit une intelligence, ça peut produire un déficit d'intelligence, pour l'un comme pour l'autre, dans la mesure où, effectivement, l'intelligence est une machine spécifiquement interactive. Hein, le cortex préfrontal, il ne se développe que dans l'interaction. C'est une chose qu'on a découvert de manière absolument flagrante dans les mouroirs roumains. Vous savez, on a découvert des centaines de gamins dans les mouroirs roumains qui avaient tous des symptômes autistiques. Les chercheurs qui sont allés là-bas, ils ont passé sous scanner un certain nombre de gamins et ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas de cortex préfrontal. Et ils les ont mis dans des familles d'accueil. Et là où les familles d'accueil ont vraiment fonctionné comme des familles d'accueil, en un an et demi, les cortex préfrontaux ont poussé. Dans une communication suffisamment riche, quoi. C'est extraordinaire, ça, hein. Alors ça laisse entendre, effectivement, le degré de plasticité du cerveau, hein, qu'on connaissait déjà un peu, mais là... Je sais pas, on pourrait peut-être finir là-dessus, parce qu'il est déjà 8h30. Hein, c'est-à-dire que... Si on peut avoir un petit... Bah oui, justement.
j'ai pas besoin de me retourner. Pour le fun, hein, liberté, égalité, fraternité, bon, effectivement, on s'en approche. Sachant que, ne soyons pas angéliques, plus de liberté, plus d'égalité, ça n'est vertueux que si les contextes le permettent. Et à l'heure actuelle, on n'y est pas. Parce que là je vais m'arrêter, mais j'ai pas noté le fait que dans chaque mutation, il y a un temps barbare. Dans toutes les mutations qu'on a modélisées, il y a un temps barbare. Un temps barbare, c'est inquiétant, parce que ça, jusqu'à présent, les temps barbares, quand vous voyez les guerres de religion et que vous voyez la terreur en France, temps barbare, c'est du lourd. Hein. Puis il y a du soft aussi dans les temps barbares. Et à l'heure actuelle, c'est... la morale ne fonctionne plus chez nos petits mutants. Et elle fonctionne déjà un peu moins chez nous. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Elle est éthique, qui va avec l'individualisation du monde. Elle est pas les conditions contextuelles ne sont pas encore installées. Ce qui fait qu'on est un peu dans un espace ni moral ni éthique à l'heure actuelle. Et ça donne des flous qui sont tout à fait favorables au complotisme, par exemple. Hein, je pourrais vous montrer la dernière grande étude sur le complotisme qui date de l'année dernière, mais ça fait peur. Ça fait peur. Hein, vous voyez les franges de population énormes qui croient des trucs complètement invraisemblables. Hein, parce que le problème de ni morale ni éthique et de l'individualisation du monde, ça donne un phénomène de relativisation, y compris de la science. Hein, c'est-à-dire que la science, ben, rappelez-vous, il y a quelques années déjà, certains sociologues disaient le discours scientifique n'est qu'un discours social parmi d'autres, qui n'a pas plus de valeur. Ce qui est quand même un peu fort de café dans la mesure où les conditions du discours scientifique, y compris XXe siècle, ce n'est pas les conditions du discours au café du coin. Hein. Il y aurait quand même un certain nombre de contraintes qui étaient respectées et qui continuent à l'être. Hein. Et là, on se trouve devant cette relativisation qui fait que ben, c'est mon opinion, hein, c'est le phénomène de mon opinion. Puisque je le pense comme ça, rappelez-vous Trump avec le réchauffement climatique. Quoi, hein. Donc on est dans la barbarie soft, c'est ça. Puis la barbarie pas soft du tout, ce qu'on a pu déclencher avec la guerre d'Irak, avec etc. Puisque ça a donné comme... comme problème de violence, y compris chez nous, quoi. Donc bon, moi, j'arrête là-dessus. Hein. Ouais.